Salut mon ami. Alors voilà, j'en essaye une petite KTM cette fois, une 1290. Alors là, on est passé chez les grands. Là c'est à peine, tu tournes un poignet, tu t'envoles mon gars, tu t'envoles. Avec cette moto, bon après voilà, c'est pas parce que t'as beaucoup de chevaux que t'es obligé d'accélérer comme un con. C'est pas obligatoire. Par contre, tu veux perdre ton permis, t'achètes ça. Et là, tu vas être servi mon gars. Là, tu peux te faire jackpot si tu veux. Donc, part ici, je suis très bien assis. La selle, je demanderai si c'est une selle d'origine ou pas. Très, très confortable. J'ai pas mal de place, tu vois, pour bouger. Tu vois, je m'avance, je me recule, ça bouge bien. Tout ce qui est jambes, tout ça, c'est un petit peu quand même replié. Ouais, donc on est pas mal penché sur l'avant. Oh mon gars! Oh la vache! Ah ouais, alors putain, ça c'est un scalpel, c'est le mot, tu vois? Quand ils disent c'est un scalpel, tu sais pas ce que ça veut dire en vrai. Mais tu montes dessus, tu accélères, c'est précis. Elle est, en fait, elle est menue, je sais pas comment si on peut dire ça, mais elle est toute petite, toute agile, bourrée de nerfs, c'est très très précis, c'est très très maniable. T'as le budget qui va avec, mais c'est comme BM, hein. Tu le payes, mais tu sais pourquoi. Alors là, pareil, toi, là, c'est un avion, quoi. T'as 26 modes. T'as le frigo, café, t'as tout ce qu'il te faut. Alors, il y a le shifter d'options. Bon, attends, on va parler des positions, tout ça. Guidon, vachement large. Rétro, c'est bien. On voit bien. Donc, position, les pieds un petit peu en arrière, sans trop abuser, les genoux assez repliés. Moteur, je te parlerai des chevaux, tout ça, du coup, parce que j'ai pas tout en tête. Bah, feu auto, mon gars, on rigole plus, là. Feu automatique. Ouais, elle est bourrée d'options, cette machine. Je pense que t'as le régule et tout. Tu verras pas tout aujourd'hui, hein, ça c'est clair, parce que... on peut pas tout faire. Là, ce qu'on va parler, c'est... puissance, précision, argent et plaisir. Donc, shifter, c'est bien, hein. Shifter dessus, donc en option, hein, comme j'ai dit, mais c'est ça passe vraiment bien, 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 ça raccroche pas trop, c'est plaisant. Allez, je te remets dessus quand même, parce que là, du coup, t'as rien vu là, tu m'as pas vu, parce que t'es pas à ta place là, mon gars, tu dois être devant. Hop, allez, je te reprends. T'es pas bien là, alors dis quelque chose quand ça va pas. Là t'es bien. Allez. Parce que tu vas voir que là. Là ici, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Putain, tu trembles comme une feuille mon gars. C'est la moto qui te fait ça. Bon allez. Hop là. Vous voyez, la suspente elle est pas mal, donc c'est tout est réglable. Hein. Mais je t'en parle juste après. Hein. Là, faut que je baisse un rapport, que tu vois ce que c'est. T'es prêt? Tu t'accroches! Il y a du monde derrière, je pense que tu vois! Regarde! Oh putain! Oh la vache! Comme ça lève! Oh, oh c'est violent ce truc! Là je comprends qu'il y a un permis à deux! Parce qu'avec ça, c'est pas possible! Tu te tues mon gars! C'est violent, violent! Alors c'est. Je sais pas si tu vois bien, c'est assez large ici! Hein. Tu vois, c'est vraiment large! Mais quand t'es dessus, quand tu le pilotes, on ressent rien du tout. C'est tout est fluide, tout est maniable, tout est nickel quoi. C'est tout est top. Là c'est la performance. Une moto comme ça. Putain, là c'est la technologie au summum quoi. Putain, c'est violent, hein. Oh la vache. Allez, on trouve un coin, je te montre. Clignotant. Ah c'est un peu flou aussi ça. Ah c'est dommage. Ah quand c'est flou, j'aime pas moi. Clignotant, ils sont pas trop le positionner. Ouais, c'est bien pour le pouce, il est à peu près à la bonne place. Mais par contre, j'aime pas trop la sensation de flou, c'est pareil que chez BM. Ouais, bon, la boîte est accrochée un petit peu plus que certaines, mais elle est bien. Ouais, ça marche bien.
Ouais, je me dépêche. Hein. Allez, je t'ai posé là, à mon avis, tu vas rien voir du tout. Allez. Oh là là, là là, quel... c'est un démon ce truc, un démon. Alors cette moto, mon gars, c'est que du fun. Que du fun. C'est du fun à gogo, quoi. Là, c'est... C'est un moto de dingue. Une moto de dingue. Ouais, ça pile. Oh là là. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, le frein. Oh là là. Ça marche, hein. Puis c'est radical, quoi. Les freins, freins arrière, tu vois, ça freine pas mal. La baisse, il se met assez tard en action. Le frein avant, ça pile. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as un peu de jeu. Bon, là, je te monte Axel. T'es prêt, mon gars? Feu. Oh là là. T'es prêt, mon gars? Feu. Oh là là! Oh! C'est violent, hein! Ça lève tout seul! T'as vu? T'as vu que ça lève? Oh, c'est violent, c'est une moto, mais c'est de trop, quoi! Oh, qu'est-ce que tu veux pas te faire choper avec ça, quoi! Mais c'est vrai! C'est quand même assez doux dans le sens où. Tu vois, là, je peux rouler pépère en étant bien posé, tranquille. Salut! On peut rouler quand même tranquille, quoi, c'est vrai, ils ont raison. Avec le vendeur qui est ultra sympa, je remercie la concession d'ailleurs de KTM de Besançon, ils sont super cool. Oh là là, c'est vrai qu'ils sont tip top. Et il m'avait dit, mais c'est pas parce que c'est puissant que voilà que tu es obligé de te faire choper, quoi. Ah ben, il a raison. Alors, sur ce pas, elles absorbent très bien les chocs. Tu vois, je me fais pas... S'il n'y a pas de tape cul. Pourtant, on aurait pu penser qu'elle était comme ça, mais pas du tout. Elle est pas du tout tape cul, cette moto. Allez, on s'arrête. Un petit tour rapide, et puis après, on fait le deuxième test. Que tu verras plus tard. T'es trop gourmand. Hop. Ah, t'as vu, voilà la bête. C'est beau, hein, quand même. Ça a de la gueule, hein, t'as vu. Est-ce que t'as vu un peu? T'as déjà vu une de près? Mais si t'en as pas vu, moi je te la montre. Ah, elle a de la gueule, hein. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Elle est belle, hein? Regarde. Regarde comme c'est beau. Avec le petit silencieux. Donc en option, donc t'as... Pancra. Je te malmène, hein? Dans tous les sens, je te fais bouger. Tant pis, tu suis. Donc il y a le pancra. Et puis le quick shifter. Oh, j'ai chaud, mon gars, j'en peux plus. Allez, je te fais un petit tour rapide. Donc tu vois, hop là. C'est vrai que ça, tu auras tout si t'as besoin d'infos. Donc on a du coup... Donc le petit moteur ici, le LC8 qui fait 180 chevaux et 140 Nm. Donc là, c'est de la tuerie, 180 chevaux, tu les sens. Et 140 Nm aussi, c'est un truc de fou quoi, ça lève tout de suite quoi. Terra, soupape, donc toi, il y a eu plein de modifs pour ce modèle. Châssis, donc il y a un nouveau cadre, 3 fois plus rigide. Après, tu vois, il est mastoc le truc là. En tout, en tritubulaire, hein, c'est... Et, oh, putain, c'est un truc de fou quoi. Il y a eu monobras qui a été aussi un petit peu rallongé. Suspot... The best qu'ils disent. C'est vrai que là t'es collé, t'es rivé au sol. Rivé au sol. Fourche avant donc WP Apex. Entièrement réglable. L'arrière c'est pareil, entièrement réglable. Hein. Comme tu peux voir, tout est, tu peux régler tout ce que tu veux là-dessus. Là c'est le summum du summum. Hein. Pneumatique, ils ont mis du Bridgestone. Du S22. Ça tient la route, y a pas de problème. Là tu peux y aller. Bon après faut pas faire non plus n'importe quoi. Hein. Ça pardonne pas tout, mais là ça tient mais, du feu de Dieu quoi. Du frein avant. Tout du Brembo mon gars, là c'est le summum quoi, du 320 à l'avant, tu vois bien, 320 à l'avant, donc tu en Brembo, et 240 à l'arrière. Là c'est, là ça freine d'avant, c'est génial quoi, génial, génial. Grand écran TFT, je te le mets en route, le petit Buchan. Là tu vois, là franchement voilà quoi, t'es servi. Hein. Il est énorme l'écran, énorme, le vide embrayage. L'embrayage, tu connais maintenant, je ne vais pas te le répéter. Hein. Donc l'embrayage, tu vois, réglable. Frein avant, réglable aussi. Hein. Tout est réglable ici. Hein. Là, c'est nickel, quoi. Tout est LED.
L'avant, c'est vraiment agressif. Là, pareil, toi, je pense que c'est pour refroidir un petit peu les disques, tout ça. Tu sais, c'est un peu aérodynamique et tout. Niveau finition, c'est pas mal. Il y a ou deux petits trucs comme ça, tu vois. Bon, c'est discret. Y a, voilà, c'est vraiment les seuls trucs. Hein. Là, tu peux régler aussi avec la molette, là. Ouais, mais c'est quand même pas mal. C'est bien fini. Tu vois, ça, après, tout est à peu près bien caché, tout est bien concentré. Le feu arrière, je t'ai pas montré, je te le montre là. Feu arrière, voilà. Après, bon, allez, je te reprends là parce que t'es fatigant, tu me fais mal au bras, dis. Phare LED, tout ça, on en a parlé. On va parler un petit peu d'électronique. Donc, tout ce qui est écran TFT, il est énorme, comme je t'ai dit. Anti-rayures et tout. Assistance du pilote. Ben, tout ce que tu veux, mon gars. Il y a tout. Tout, tu prends même le café si t'es gentil. Système de sécurité dans tout ce que tu veux, traction control, est-ce qu'ils en parlent? Mode de conduite, donc rain, street, sport. Et mode track optionnel pour voilà, qui permettra de tout régler à ta petite sauce quoi. Et ouais, donc t'as traction control, contrôle de puissance, t'as tout quoi. T'as tout là-dessus, mais t'as tout. T'as même ce que tu sais pas en plus. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. La fourche avant, on n'a pas parlé. Détail moteur, châssis. Alors diamètre, tout ça on a parlé, étrier, la date, la date. Donc c'est les Brembo Stilema, hein, donc là c'est des trucs bah, un peu hein, ce qui se fait presque de mieux. Hein. Poids sec 189 kg, donc ça fait un petit 200, allez 220, voilà, 215, 220, je sais pas dans les eaux là. Tiens, regardez. Cardo au sol, on s'en fiche un peu. Donc c'est assez haut qui te permet de toucher le rétro au sol. Donc c'est du 40, WP Apex 48, donc c'est de 48 mm, bah, ils sont énormes, je sais pas si t'arrives à voir. Toi c'est ma main ça. T'as vu la taille de la fourche ou quoi? Et puis voilà. Autour des selles. Putain, c'est plus. Attends. Attends. Autour des selles, Nelou. Autour des selles. Petit ou pas petit? 835 mm. Donc là, t'as intérêt de boire 20 litres de soupe par jour si t'es 1m60 parce que si tu veux t'amuser avec ça, il faut être assez grand. Hein. Allez, mon poteau, il retourne. On y revient. Je te remets à ta place. Je suis sûr que t'étais pas bien là. Tu te sentais mal, t'étais pas au bon endroit. Hein. C'est bon, on est reparti? T'as fait ton pipi? Ouais? Bah, elle est partie. Ouais, donc c'est une tuerie quoi. Une tuerie cette moto. Allez, on appuie sur le bouton, il m'a dit. What? Oh, le bruit, le boucan, toi. Tu me vois, je suis beau. Toi aussi, t'es beau. T'es tout beau. Allez. On y retourne. Donc le frein. Ouah, l'avant. Ça pile, l'ABS, il est tard. Donc c'est sécurisant, hein. Allez, feu! Suspad, ça plonge un petit peu sans excès à l'avant, mais c'est réglable, donc après tu fais ça à ta sauce, suivant comment tu roules ou pas. Ouais, GoPro, faut t'améliorer le truc, hein, parce que c'est pas top non plus. Hein. J'ai déjà vu mieux. Hein. Ouais, donc ça marche bien, quoi. Et l'assise, elle est bonne. Hein. Alors là, ben, c'est quoi cette moto? C'est une moto de plaisir, 100%. T'es à la recherche des sensations, t'aimes les montagnes russes? Ben, prends une KTM 1290. Regarde-moi ça, attends, j'ai fait une petite accélère là. Là, je suis en deux, une voiture qui arrive, elle est loin. Ouah. Putain, ça va être un truc de fou. Hein. Ça enlève toutes les vitesses presque. Oh là là. C'est violent, hein. Alors après tu vois c'est un moteur tellement puissant que toi je suis en 5 à 110, je suis à 4000, ça limite c'est le brute quoi. Peut-être tous les chevaux qu'il y a, faut un bus pour emmener tous ces chevaux là. Ouais c'est puissant quoi, c'est d'excès total ça, cette moto là. Arrête de bouger, tu vas me faire vomir. Tu bouges dans tous les sens. Oh. Je sais pas si tu vas voir toi, parce que toi c'est bien stabilisé, la caméra GoPro si ça marche bien, les pierce-mousse. Tu vois tu seras stable. Moi je vais vomir dans mon casque et toi tu seras très stable. C'est bien ça. Ah putain. Ah c'est du délire cette moto. Elle me plaît. Ça me plaît bien. C'est dommage que toi je serais tout seul. Putain je serais presque tenté d'acheter ça quoi. Mais bon on est deux. Donc on va essayer la KTM après la 1290 Adventure. Et puis voilà. Donc ça c'est une Super Duke Air. Hein. 1290. Ouais c'est une très bonne machine. Il n'y a pas photo. Hein. Mais en tout cas, voilà, niveau sensation, niveau moteur, niveau suspat, confort, bon confort hein, qui reste dans la... Comment dire ça? Un confort qui reste sportif, très sportif même. Voilà, c'est... Mais l'assise, elle est moelleuse. C'est tout mou. Je pense que c'est une selle d'origine, ça ressemble.
Je demanderai. Mais putain, c'est, ça ressemblait un peu à la Triomphe. Je sais pas pourquoi, c'est, t'as l'impression d'être dans un fauteuil, quoi. Non, elle est belle et tout, voilà, t'as tout ce qu'il faut, t'as, c'est le summum, quoi. Là, c'est le, la Ferrari, quoi. Oh, c'est puissant et tout, putain, ça c'est le, la perfection. Menem, tu connais Menem? Perfection masculin, là, à la moto. Oh, mais regarde comme c'est agi et tout. Toi, c'est, c'est, tu peux, t'as vu, regarde, je me suis un petit peu déhanché. Elle a voulu repartir droit, j'ai repoussé un petit peu, toi, j'ai fait comme ce que tu apprends au permis. Je sais plus comment ça, contre-braquage, elle s'est remise dans l'axe, mais nickel, nickel, elle, elle pardonne beaucoup. Elle est performante, puis elle pardonne. Là, KTM, vous avez fait un truc comme ça, quoi. C'est violent, mais tu peux pas, je pense, pour le moment, tu revends. Hein. C'est trop. C'est trop, mon lapin, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Que là, c'est du haut level, mon gars, haut level. Donc, ben, je peux rien te montrer, hein. Ça lève, moi, je fais pas de roue, parce que je suis pas un pro là-dedans. Ça lève tout ce que tu veux, tu t'apprends le wheeling, bah tu prends ça, écoute, t'as de l'argent, vas-y. Hein. Là c'est facile, hein, t'as pas besoin de. Y'a pas besoin de niaquer embrayage là. Hein. Là, tu vas direct cash, c'est pile poil. J'espère que j'ai pas trop gueulé parce que c'était tellement euphorisant que je t'en ai peut-être mis plein les oreilles. Mais rien à foutre, c'était tellement bon. J'espère que tu me pardonneras. Parce que là, génial cette moto. Génial. Et puis voilà. J'espère que putain que c'est enregistré. Hein. Si ça n'a pas enregistré. T'as chier. Ouais mon ami, là j'ai plus rien à dire, t'as vu, de toute façon, là c'est les yeux qui parlent, c'est même pas la parole, là ce que t'entends, on s'en fout. C'est t'as vu que ça va être. Tu veux un truc sensationnel, ben voilà, tu vas essayer, puis si t'as des sous, t'achètes. Parce que franchement, putain, ça vaut le détour. Hein. Oh là là. Bon bah allez, sur ça mon ami, je te laisse. Et puis moi je vais essayer autre chose, hein, parce que moi je suis en vacances. Allez, ciao.